Art et féminisme, les avant-gardes sont derrière nous. Donc, qui sera modéré par Raphaël Legrand, qui est musicologue. Raphaël Legrand. Musicologue, professeur à Paris 4, qui dirige un centre de recherche qui s'appelle le CREM, qui s'appelle le Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les musiciennes, à Paris 4, qui est par ailleurs membre du conseil de direction, du comité de direction de l'IEC, et qui m'a demandé de le préciser, est aussi accordéoniste du groupe féministe qui s'appelle Les Voix Rebelles. Beaucoup connaissent ici. L'autre modérateur, alors Raphaël aura plutôt le rôle de présidente, comme je le disais tout à l'heure, avec sa montre. Et l'autre modératrice, c'est Hélène Marquier, qui est donc spécialiste des arts du spectacle, qui est chorégraphe par ailleurs, qui travaille à Paris 8, et qui... C'était quoi l'autre chose ? Non ? Et qui est... Voilà. Excuse-moi. Qui, elle aussi, comme nous toutes, se revendique d'un féminisme de longue durée. Alors, pour cette table ronde, il nous a fallu choisir entre les différents arts. Les arts plastiques se sont imposés dans la mesure où c'est le domaine qui a été le plus marqué par le féministe. Et puis, à côté, dans la mesure où nous avions convoqué aux Assises 2009 la danse, le cinéma et le chant, nous avons souhaité rencontrer le théâtre et la musique classique. À partir des années 1960, dans les pays anglo-saxons, le féminisme a produit une véritable révolution, on dira épistémologique, et pratique aussi, dans les arts plastiques, en remettant en cause à la fois les pratiques artistiques, mais également les fondements mêmes de l'histoire de l'art et de l'esthétique, notamment avec un article fondateur de Linda Nochlin en 1971 qui posait la question « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ?» Et non seulement on constatait que l'art avait été conçu au masculin, que seuls les hommes avaient eu, et avaient encore d'ailleurs, accès aux conditions nécessaires à la création et aussi aux conditions nécessaires à la diffusion. Mais en deçà, on remettait en question le système de valeurs, la définition même de l'art, les canons, le clivage entre le grand art, qui se posait comme masculin quasiment par définition, et puis les arts mineurs, les arts populaires, l'artisanat, les arts décoratifs, qui étaient catégorisés dans le féminin, y compris toutes les pratiques amatrices. Dans le même temps, les artistes féministes étaient amenés à revoir entièrement les pratiques féministes, les pratiques artistiques, et à explorer des esthétiques nouvelles qui les situaient aux avant-gardes de l'art. Et c'est un peu l'une des raisons du titre de notre table ronde, Art et féminisme, les avant-gardes sont derrière nous, qui reprend aussi un slogan très créatif des années 70, si mes souvenirs sont exacts, c'était « Cours, petite sœur, les avant-gardes sont derrière nous ». L'avance des arts plastiques par rapport aux autres domaines de l'art s'explique par les étroites relations, enfin entre autres, par les étroites relations qu'il y a toujours eu entre les praticiennes et les théoriciennes et les échanges constants entre ces deux domaines. Toutefois, comme je dirais dans pratiquement tous les autres domaines, les pays anglo-saxons ont été bien plus en avance qu'en France. Mais pour nous parler de son expérience et de ses actions en France, nous avons invité Mathilde Ferrer, qui se trouve donc à l'extrême gauche de la table, qui a activement participé au groupe de plasticiennes féministes dans les années 70, notamment à Femmes en lutte, puis qui a constitué un véritable ferment de contre-culture féministe au sein d'un bastion masculin qui est l'École nationale des beaux-arts de Paris. Elle y a été responsable de la médiathèque et de la coordination des cours théoriques.
Et dans ce cadre, elle a organisé des séminaires, des rencontres, des groupes de discussion autour de problématiques interdisciplinaires et de la recherche féministe en art. Elle lui a consacré une section à la médiathèque. On lui doit également l'initiative d'un premier colloque, Féminisme, art et histoire de l'art. Ça, c'est une autre histoire, en 1990, qui a vraiment, pour nous qui travaillons sur l'art, c'était vraiment quelque chose de marquant, parce que c'était la première fois qu'on avait ça en France, avec un petit livre qui nous a servi de bible pendant longtemps. Et puis, il y a eu d'autres colloques et séminaires qui ont été publiés, pour la plupart, dans la collection Guide de l'étudiant, qu'elle a donc dirigée. En France, toujours, le théâtre est un domaine où les idées féministes ont peu pénétré, à l'exception de quelques artistes féministes engagés, et les inégalités demeurent très fortes, restant en grande partie dans le non-dit, le théâtre étant un milieu qui se pense et qui est perçu comme étant à l'avant-garde, très ouvert, de gauche, etc., donc où ces questions n'ont pas vraiment lieu de se poser. Et puis, en 2007, Reine Pratt a publié un rapport sur les inégalités dans le spectacle vivant, un rapport qui a fait l'effet d'un véritable révélateur, puisqu'on y apprenait des tas de choses très intéressantes, notamment que 85% des textes que nous entendons au théâtre ont été écrits par des hommes, 78% des spectacles que nous voyons ont été mis en scène par des hommes, etc., etc. Le rapport de 2007 et celui qui a suivi en 2009 sont tout à fait disponibles sur le site du ministère de la Culture. En tapant « rapport Reine Pratt », on y arrive directement. Et le théâtre est un domaine intéressant en ce que nous sommes aujourd'hui peut-être arrivés à un moment de prise de conscience, à la fois dans le monde universitaire, où on voit qu'il y a de plus en plus d'étudiantes et d'étudiants qui se penchent sur des questions féministes au sein du théâtre, soit sur les représentations, sur le social, sur l'histoire, avec le problème qui est posé de trouver des directrices et des directeurs de recherche. Il y a vraiment une volonté. Et puis, au niveau du terrain, des actrices et de quelques acteurs aussi de terrain, et notamment en témoigne la création des associations HF pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture, qui est intervenue il y a deux ou trois ans et qui prend de plus en plus d'ampleur. Et donc il y a deux semaines, pour la journée vie privée, on a déjà pu entendre Muriel Naissens de Féminisme en jeu, qui nous parlait de son travail autour du théâtre de l'opprimé auprès de jeunes pour sensibiliser aux questions de genre. Et aujourd'hui, nous allons accueillir Tissa Davila Bensala, qui est comédienne, metteuse en scène, coordinatrice artistique de la compagnie des Amorces, et qui a récemment mis en scène le dit de l'impétrance, et tout récemment, puisqu'elle a eu trois représentations qui se sont terminées hier, avez-vous eu le temps de vous organiser depuis la dernière fois qu'on vous a vu une création collective? Elle mène un travail important aussi basé sur les méthodes du théâtre de l'opprimé, et elle a monté dans ce cadre une pièce qui s'appelle « Silence complice » ou « Je dis nous » sur les violences faites aux femmes, avec à la fois des artistes professionnels, des femmes victimes de violences, des collégiennes et collégiens et des enseignantes et enseignants. Enfin, le dernier champ choisi, c'est celui de la musique, qui est peut-être le secteur le plus inégalitaire de tout le spectacle vivant. Et pour citer encore le rapport de Reine Pratt, 97% des musiques que nous entendons dans nos institutions ont été composées par des hommes. Ça veut dire que c'est 3% par des femmes seulement. 94% des orchestres programmés sont dirigés par des hommes, etc. Ça se décline à plusieurs niveaux. Et en musique, il y a un énorme travail à faire, à la fois dans le champ des savoirs, de l'histoire, comme dans celui des réalités sociales.
Et il y a quelques personnes qui sont souvent, là aussi, à la fois chercheuses et praticiennes, qui ont entrepris de déblayer cet immense terrain, en retrouvant notamment des partitions, en les interprétant, en les éditant de façon à les faire connaître. Et malheureusement, elles restent souvent un petit peu à la marge des institutions. Evelyne a parlé tout à l'heure de Florence Launay, par exemple. Et aujourd'hui, nous accueillons Florence Malgoire, qui est une de ces femmes, qui est violoniste, concertiste, chef d'orchestre international. Elle est également professeure de musique baroque au Conservatoire supérieur de Genève, violon solo des arts florissants et spécialiste de l'interprétation des musiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Elle dirige également un ensemble, les Dominos. Alors, elle a produit une discographie très importante et elle travaille actuellement sur la recherche, l'interprétation et l'édition de l'intégrale des sonates de violon et basse continue d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, une compositrice française du XVIIIe siècle. Première question. Comment avez-vous été amenée à intégrer le féminisme dans votre parcours et votre pratique professionnelle? Le féminisme, je crois que je suis née avec cette virus-là. Donc je n'ai pas eu une révélation. Je crois que je n'ai jamais pensé être ou pas féministe. Donc, quand j'étais très jeune en Espagne, j'étais sur un régime franquiste, l'autorité était toujours les hommes, les militaires, les hommes, les blessés de la guerre civile, etc. Donc j'ai appris très vite à détester l'autorité parce que la représentation qu'on me donnait, c'était horrible. Chez moi, nous étions une famille nombreuse, je suis jumelle, et l'autorité morale et réelle était ma mère. Donc pour moi, ça a été très facile, immédiatement, avoir une idée de la dignité de la femme et de l'horreur de l'autorité imposée. Donc, ça n'a pas été très compliqué pour moi, parce que je ne suis jamais devenue féministe. Et quand j'ai commencé à lire Simone de Beauvoir, très jeune, à l'époque en Espagne, c'était les traductions sud-américaines, et Virginia Woolf, dans mon ignorance, je disais, super, ils pensent comme moi. Donc, c'était vraiment tout bénef. J'ai trouvé des gens enfin qui pensaient comme moi je pensais. Donc, quand je suis venue en France, à faire des études d'art à l'école des Beaux-Arts, pas du tout pour les féministes. Parce qu'à l'époque, Simone de Beauvoir à moi, ça m'intéressait pour l'existentialisme et parce qu'elle vivait la vie Marie pseudo avec Sartre et tout ça. Je veux dire, son féminisme, c'était tellement évident pour moi que je ne trouvais pas ça extraordinaire. si vous voulez, dans mon ignorance, bien sûr. Alors j'arrive en France, mais je suis venue en France pour les femmes de la Révolution française, pas pour les féminismes, vraiment. Alors c'était cette action de femmes qui sont révoltées à risque de leur vie, et comment ils arrivaient dans ce milieu à penser comme ça la condition de la femme et la révolte totale. Pour moi, c'était ça. Donc je suis venue à l'école des Beaux-Arts et je me suis trouvée avec un truc super poussiéreux, extrêmement décevante, à mon avis, avec 10 ans en arrière, de ce que moi en Espagne, à Saint-Sébastien, à portée de la frontière, je pensais, avec tous des mecs, tous des professeurs hommes, qui ne comprenaient ce truc, enfin, que je ne comprenais pas, qui ne me comprenaient pas. Alors j'avais l'habitude en Espagne de parler une langue qu'on ne comprenait pas. Quand je suis arrivée en France, je parlais quand même un peu de français, on pourrait plus me comprendre. La division n'était pas dans la langue réelle, c'était dans la façon de penser. Donc je restais un temps à l'école de Beaux-Arts et je suis partie parce que ça m'ennuyait. Je ne trouvais pas mon... C'est pas si différent que ça, puisque moi je suis d'origine algéro-brésilienne. Et c'est vrai que j'ai vécu en France qu'à partir de 18 ans. Et j'ai très vite, très très jeune, compris que dans un pays, j'avais le droit de circuler en maillot de bain, quasiment à poil, et dans l'autre, c'était gênant que je sois un tout petit peu dénudée. Donc j'ai appris très très jeune qu'il y avait beaucoup de subjectivité là-dedans et beaucoup d'enjeux culturels. Mais j'ai eu la chance, à l'âge de 19 ans, dans un parcours universitaire, de rencontrer une association féministe, et j'ai eu la chance de mettre des mots et des bonnes lunettes très jeunes
En travaillant bénévolement auprès d'une association féministe qui s'appelle la VFT, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail, où moi, jeune étudiante à la fac, je faisais quelques heures là-bas. Et voilà, ça m'a permis quand même d'avoir les bonnes lunettes très tôt. Donc quand je suis arrivée dans le secteur culturel, qui est le mien aujourd'hui, comédienne, parcours assez classique, d'école d'art dramatique, je ne me suis pas tellement posé la question, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une vision féministe du monde, après, tout passe par là. Si on considère que le féminisme, c'est un humanisme et qui fait que prendre note d'un rapport de force, après, ce n'est pas tellement que les pièces de théâtre que je fais sont féministes, c'est que le féminisme traverse tous les sujets de notre vie. Donc je ne vois pas tellement comment ne pas le traiter. Ensuite, c'est vrai que je suis à un endroit un peu de pratique professionnelle un peu particulier, puisque j'aime beaucoup le titre de votre débat, puisque culture contre culture, moi je me sens exactement à la frontière des deux univers, puisque je pratique des méthodes théâtrales militantes, qui sont les méthodes du théâtre de l'opprimé, du Brésilien Augusto Boal, dont je me sers aujourd'hui plutôt comme animatrice, comédienne militante, et je transmets ces techniques à des jeunes filles, des jeunes garçons en atelier. Et là, c'est vraiment une contre-culture qui est très mal vécue dans mon métier de metteuse en scène et de comédienne dans les circuits de théâtre public, subventionné, indépendant, mais voilà, à l'orée du théâtre subventionné. Et c'est quand je suis rentrée dans le secteur il y a 6 ans que j'ai créé la compagnie des Amants, j'ai été perçue comme un extraterrestre. C'est-à-dire que le milieu militant se reconnaissait tout à fait dans les pratiques de théâtre de l'opprimé. Et le milieu, on va dire, du théâtre public, qui est encore... où il y a un certain élitisme, une certaine façon de voir le monde qui n'est pas encore tout à fait féministe. Voilà, c'était perçu comme, voilà, plus ça va et plus j'essaye de dénoncer une nouvelle voie. Mais c'est vrai que nous, contrairement aux arts plastiques dans le théâtre, l'avant-garde, on n'arrive pas bien à l'identifier en termes de féminisme en théâtre public. Alors certes, il y a eu des grandes figures, des grandes metteuses en scène, comme Arlouchkine, comme Brigitte Jacques, mais qui se sont revendiquées féministes et qui ont fait librement un travail sans être enfermées non plus là-dedans, il n'y en a pas tellement, donc c'est à nous de l'inventer. Heureusement, il y a des initiatives comme le collectif HF. Je pense qu'on est pas une génération de trentenaires metteuses en scène qui se posons maintenant la question, mais les choses restent à écart. Par rapport au féminisme, qui m'a paru évident aussi, puisque ma propre maman était féministe. Donc j'ai un héritage assez fantastique et qui revendiquait, elle était musicienne, mes parents sont musiciens les deux, mon papa chef d'orchestre et maman était flûtiste, ce qui était absolument à sa génération scandaleux dans le nord de la France, puisque les flûtistes c'était les hommes qui jouaient dans les fanfares. Une femme qui tenait un objet phallique comme ça dans la main, c'était tout juste pas possible. Et donc, elle était extrêmement brillante, prix de piano, prix de flûte, très jeune, conservatoire de Paris. Et à niveau égal, à compétences égales, à diplôme égal, dans les années 60, de toute façon, il n'y avait pas de femmes dans les orchestres. Donc, ma chère maman enseignait, et je crois avec passion, mais de toute façon n'aurait pas eu accès à jouer dans un orchestre alors qu'elle en avait totalement les capacités. Et donc forcément, j'ai reçu une formation, ça allait à la fois de soi pour moi de faire de la musique et d'être professionnelle, parce que j'ai été mariée avec la Death Music tout de suite, quoi, très jeune, ça allait de soi. Et puis je voyais quand même en train... papa chef d'orchestre, qui était soliste dans un orchestre oboïste, et qui pouvait, ça allait de soi pour lui, d'être chef d'orchestre, et il est magnifique, c'est un artiste magnifique, et maman qui était, voilà, donc ça m'a vraiment aidée aussi, j'ai à la fois hérité de tout ce travail de féministe de cette génération,
mais ça continue au quotidien, et d'autant que dans mon enseignement, alors c'est la formation pour moi est une chose essentielle, c'est-à-dire que je voyais bien quand j'étais petite, c'était très joli pour qu'une petite fille fasse de la musique, mais on n'avait pas tellement à être exigeant avec elle, surtout dans le domaine en fait, de la composition, de l'écriture, dans les classes d'écriture. Alors si on joue bien un instrument, ça va, mais on ne va quand même pas se mettre à composer et à étudier sérieusement l'écriture. Et je crois que ça, c'est vraiment... ça bouge énormément, enfin, c'est en plein progrès. Et quand même, je voudrais juste dire que en Autriche, il n'y a toujours pas de femmes à l'orchestre de Vienne, hein, il n'y a pas de femmes. Donc je crois qu'il y avait une petite idée d'aller lancer des soutiens-gorge la prochaine fois que... C'est une idée que j'avais eue avec Florence voilà. Sonnet. Alors bon, maintenant c'est plus un secret, mais n'allez pas dévoiler la prochaine action commando. Mais en tout cas, par exemple, si nous prenons les orchestres français, l'orchestre de la Société des Concerts qui a été créé en 1830... avait jusque dans les années 70 un recrutement exclusivement masculin. La première femme qui est entrée là comme harpiste, c'était Annie Chalas. Et puis il y a une anecdote assez rigolote, oui, on peut en rire. Eliane Deleval, dans les années 80, a menacé d'un procès, puisque c'était, elle voulait passer le concours pour rentrer comme flûtiste solo à l'Orchestre de l'Opéra de Paris, et on lui a dit, bah, il n'y a pas question. Et elle a menacé de faire un procès, elle n'avait même pas le droit d'être écoutée. En 80, et puis elle est rentrée, c'est la première femme qui est rentrée, parce qu'elle était tellement extraordinaire qu'elle est rentrée. En 82-83, l'orchestre, dont je ne citerai pas le chef qui a créé cet orchestre, a fait... grâce à ses propos complètement misogynes, a déclenché des manifestations incroyables qui ont fait qu'il refusait que des femmes viennent jouer dans son orchestre en disant qu'elles avaient une sensibilité différente, qu'elles jouaient trop féminines et pas assez masculines, pas assez viriles ou je sais pas quoi. Et donc, la question a été tranchée puisque les concours se font derrière paravent. Donc la question de jouer féminin, masculin, ceci, cela, c'est derrière paravent. Donc qu'on soit en mini-jupe ou en pantalon, ça n'a aucune incidence. Et c'est quand même assez récent, puisque c'est dans les années 82-83. Alors maintenant, moi je voudrais juste dire que la culture, c'est très difficile, les subventions baissent et du coup, il faut conclure. Alors, je conclue que beaucoup de femmes maintenant se battent pour jouer, et il y a de plus en plus de femmes, parce que justement, il y a moins d'argent. Deuxième question. Pouvez-vous nous donner un exemple d'action que vous avez menée ou accompagnée, que vous considérez comme féministe, et quelle résistance avez-vous rencontrée pour la mener ? J'ai créé la Compagnie des Amants il y a 6 ans environ. Au tout début, c'est vrai que j'avais découvert quelques années auparavant l'ampleur des dégâts, parce que même si j'avais, depuis le plus jeune âge, perçu ces inégalités, avant de les nommer et d'avoir un héritage féministe, on vit dans l'ignorance des réalités. Et c'est vrai que j'ai été extrêmement bouleversée d'apprendre qu'en France, à l'époque, en 99, il y avait autant de violence. Donc c'est vrai que ma première mise en scène, le premier travail que j'ai fait, il parlait de ça, donc des violences faites aux femmes, parce que ça avait été quelque chose qui m'avait... J'avais quand même grandi dans un milieu familial plus ou moins protégé de tout ça. Donc ça m'avait tellement interpellée que j'ai eu la nécessité de partager ça dans ma première mise en scène. Et aussi la nécessité d'interroger le théâtre et ses formes un peu différemment que ce qu'on avait appris à l'école, donc avec des méthodes plus participatives, etc. Ensuite, je dirais que, mis à part effectivement ce travail de longue haleine tous les ans avec des jeunes pour leur transmettre cet outil d'émancipation, parce que moi, à la base, je considère qu'être comédienne, metteuse en scène, pouvoir partager
les assemblées théâtrales avec des personnes, c'est quelque chose qui m'émancipe personnellement. Et avec les outils du théâtre de l'opprimé, j'aime offrir aux jeunes filles un outil d'émancipation, parce que je me demande même si je ne suis pas devenue metteuse en scène parce que j'étais féministe. C'est-à-dire que je pense que beaucoup d'entre nous, les jeunes femmes, nous nous interdisons d'accéder à des postes comme ça, plus importants que celui d'actrice, à savoir celui de metteuse en scène, et dans tous les métiers, parce qu'on intègre un certain nombre de choses où on s'interdit de faire, quoi. Donc, voilà. Après, mes mises en scène suivantes, mes travaux, même si c'est vrai que j'ai mis en scène des femmes victimes de violences elles-mêmes sur le plateau, en mélangeant interprofessionnels, etc., je dirais que depuis, mes pièces traitent d'autres sujets, mais traitent toujours de celui-là, parce que voilà, parce qu'il est transversal. Donc, après, les résistances que je rencontre, bon, bah, ça, elles sont nombreuses, même si elles ne me découragent pas, mais elles sont à tous les niveaux. C'est-à-dire, je ne peux pas considérer qu'on me traite de la même manière qu'on traite un jeune metteur en scène de 30 ans, parce que c'est faux. C'est faux parce qu'il y a toujours dans les idées reçues en face, on m'écoute, on considère mon propos artistique, mais il y a indéniablement une confiance qui ne va pas de la même manière à un homme et à une femme. Et donc je souffre de jeunisme et du fait d'être une femme, c'est-à-dire que... on ne va pas me donner les mêmes responsabilités qu'un jeune homme de 30 ans parce qu'on considère que je ne vais pas gérer une structure de la même manière, que je ne vais pas pouvoir gérer une équipe en ressources humaines de la même manière. C'est difficile pour moi de diriger certains hommes de plus de 40 ans. C'est pas, on ne m'écoute pas de la même manière qu'une femme qui aurait déjà 60 ans ou qu'un homme jeune. Donc voilà, les obstacles, ils sont très subtils, mais quand on a une lecture féministe du monde, ils sont bien là, quoi. Après, avec des sourires, de manière charmante, mais enfin, on attend quand même 6 ans ou 10 ans de plus qu'un jeune metteur en scène de notre âge. Quand j'ai regardé les cours, en réalité, la problématique n'était pas du tout la question féministe, tout ce qui était professeur comme chef d'atelier, il n'avait qu'une femme. Qui n'avait pas une carrière, qui n'avait pas une personnalité publique importante pour avoir une possibilité d'influencer l'école. Donc je me suis trouvée avec un corps enseignant complètement tout homme et une bibliothèque dans laquelle la modernité de l'époque, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé à l'extérieur, n'avait pas lieu d'être. Donc j'ai profité de la... j'ai pu présenter un projet de création d'une médiathèque et d'une série de conférences et de débats et séminaires. Et au même moment, avec l'équipe que j'avais, on en a créé le Fonds d'art contemporain, très avant-gardiste, il faut dire, on a commencé à intégrer toute la problématique à femmes. Mais avec les femmes, on a pu, déjà à l'époque, en France encore, ça ne s'était pas tellement touché. Mais j'ai essayé de constituer un fond dans lequel toutes les recherches féministes en France et à l'extérieur étaient représentées. Et naturellement, immédiatement, on a été entre l'anticolonialisme, le colonialisme, les sexismes, l'homosexualité, l'art des multiples, etc., toutes les différences et toutes les identités. Au début, ça a été un tout petit peu difficile parce que personne ne comprenait qu'est-ce que ça avait à voir avec l'art. Et surtout que parce que tous les livres étaient en anglais, que j'achetais quand je voyageais et que j'ai ramené parce que je ne les trouvais pas en France. Donc pour moi, ça a été un problème fondamentalement. Parce que je me trouvais avec un environnement à l'histoire préhistorique. Préhistorique, dans ce que ça suppose, l'art et les femmes. Et j'avais comme interlocuteur des jeunes filles avec des professeurs hommes qui étaient complètement un chef d'atelier, c'était une espèce de dieu. Et heureusement, je crois que le fait, comme ils ne comprenaient strictement pas ce que je voulais faire, ils ne comprenaient rien. Ils avaient un peu peur. Ils me laissaient faire parce que. Et il disait qu'est-ce que ça a à faire avec, tant que ça ne touche notre petit atelier à l'intérieur de nos studios. Mais constituer un fonds de documentation n'était pas suffisant. Il fallait vraiment leur donner modèle femme à cette jeune fille. Donc, et immédiatement, j'ai commencé à faire venir des artistes femmes à l'école. Et je crois qu'à l'époque,
de l'époque jusqu'à les temps que j'étais à l'école, on a essayé de faire venir et les recherches féministes en art et les artistes femmes qui apportaient quelque part, quelque chose. C'était très difficile parce que presque tous les femmes artistes qui se disaient féministes, ils étaient des Anglaises ou des Américaines. Il avait une grande difficulté en France à trouver des artistes femmes qui s'affirmaient féministes et qui pouvaient avoir un discours féministe. Quand j'ai insisté, enfin, pour avoir des enseignants femmes à l'école, ça a été à double tranchant. Parce que ça ne suffit pas de faire une femme artiste rentrer à l'école. Il faut déjà qu'il ait une conscience féministe, qu'il ait au moins une culture, qu'il ait quelque chose à dire, qu'il ait réglé son identité femme et son identité, qu'il ait réglé son problème avec le pouvoir. Parce que le pouvoir masculin à l'école était très fort. Donc, ça a été un peu difficile de faire entrer des femmes avec, disons, une conscience féministe, je viens de sûr de les permettre. Salut. Donc, si vous voulez, quand, et la problématique, surtout quand les modèles femmes ils ont commencé à être présentes dans la vie des jeunes artistes, quand il a eu naturellement la performance, il a eu tout ce qui est l'image et la représentation de la femme. Naturellement, à ce moment-là, les images qui nous venaient, c'était ou des essentialistes femmes américaines, c'est-à-dire tout ce qui touche la déesse, les corps, la glorification de la femme, et les culturels, c'est-à-dire Barbara Kruger et tout le reste, qui étaient beaucoup plus structurés. C'était au moment du postmodernisme, c'était au moment où l'autorité de l'artiste, ou la signature, ou la déconstruction des systèmes sociaux, ils s'intéressaient plus à les motivations de l'aliénation des femmes qu'à l'aliénation elle-même. Ça a été très difficile. Les femmes, ils ont commencé à faire, les jeunes artistes, à faire une imagerie sur les corps féminins, mais sans avoir théoriquement les raisonnements suffisants pour défendre et articuler ça avec une pensée féministe. Et ça a été, ça existe encore dans le monde artistique. Maintenant, il y a une série de formules, disons, de l'art, qui immédiatement, comme encore le milieu culturel est extrêmement inculte dans l'histoire féministe, à partir du moment où on voit un soutien-gorge, des souliers à talons, et un corps de femmes, ils pensent que c'est des artistes féministes. Et l'artiste féministe qui vient, il va être complètement, il ne comprend absolument rien parce qu'il utilise des systèmes de représentation qui sont été à un moment donné de l'histoire, surtout de la recherche féministe, assimilés à un réel besoin. Le corps de la femme, il était le lieu de toutes les aliénations, on va l'utiliser pour le montrer et pour vraiment revendiquer ce corps. Et il arrive ici. Et un déferlement d'imagerie extrêmement gênant, et que dans la culture des milieux culturels, des critiques, des historiens, considèrent, parce qu'ils ont vu dans ces voyages des images comme ça, que c'est du féminisme. Et alors là, ça, il y a une extrême contradiction dans la représentation des femmes. On dit ce que tu dis, parce que ça m'évoque ça, pour diriger des orchestres, les questions qui sont très fréquente, par exemple, c'est... Mais alors, comment faites-vous pour diriger avec vos seins? Et la première fois qu'on m'a posé cette question, je me suis dit, au secours, quoi, c'est une fois. Voilà, alors j'explique très consciencieusement que c'est... Quand on dirige, on a les vraiment les oreilles ouvertes, en principe, on écoute vraiment, on est au centre pour justement avoir cette écoute, et puis qu'on a des bras quand même. Et ça se passe une sorte de bulle comme ça, et voilà, et donc ça se règle assez vite. Et voilà, mais sinon j'ai une petite anecdote, c'est j'ai un ensemble qui, de musique de chambre qui s'appelle Les Nièces de Rameau. Et nous jouons avec cet ensemble de la musique du siècle des Lumières, donc c'était le clin d'œil bien sûr au neveu de Rameau. Et nous sommes quatre femmes, de Alice Pierrot, Aline Silberreich et Marianne Muller et moi.
Et donc, l'histoire a fait que ça s'est trouvé comme ça. Et ce n'était pas par féminisme au départ. Enfin, c'était vraiment une rencontre musicale et amicale assez extraordinaire. Et pour certains répertoires, nous avons besoin de personnes en plus. Donc, pour jouer d'autres œuvres. Et nous est venue l'idée d'inviter des musiciens, des musiciennes. Alors, quand il y a des musiciennes qui viennent jouer avec nous, ça pose que si on fait des concerts avec des sopranes, ça pose aussi un problème pour elles de s'appeler, de jouer avec les nièces de Rameau. Mais alors, quand c'est un musicien, là, ça pose des problèmes. Et je me souviens très bien d'une fois d'une discussion avec un collègue, un musicien charmant, adorable, et quand même, il m'a dit, je peux pas m'appeler jouer avec toi, m'appeler Inès de Rameau, il faut mettre mon nom, tout ça. Et j'ai dit, j'ai simplement dit, mais écoute, si tu joues avec les Sacboutiers de Toulouse, qui est un groupe de musique du XVIIe siècle, qui joue la sacboute, c'est un instrument du XVIIe siècle. Bon, alors, les instruments avant sont souvent joués par des hommes, bien que ça change beaucoup, ça devient un groupe mixte. Et alors là, tout d'un coup, je lui dis, quand il y a des femmes qui jouent avec les Sacboutiers, on ne posera jamais la question, effectivement. Donc ça, c'est quotidien, ça paraît, peut-être ça vous paraît banal, moi ça m'interloque à chaque fois, et c'est vrai que c'est quotidien, ces questions-là de nous. On va faire la troisième et dernière question, enfin avant toutes les autres. Quelles évolutions avez-vous constatées concernant les questions et les prises de conscience féministes dans votre domaine ? Les prises de conscience, c'est que moi, ce qui me pose problème dans le métier et la formation, c'est justement par rapport à la composition et par rapport au poste de pouvoir, évidemment, la composition musicale, hein, puisque les femmes, dans les classes de composition, il y a beaucoup, beaucoup moins de femmes. Et moi, je me souviens dans mes études qu'on était vraiment moins exigeants avec nous, les femmes. On devait certainement faire de la musique comme ça pour le bien bourgeois. Et la formation, maintenant, c'est en train de changer, évidemment. Hein. Et pour la direction, c'est pareil. Pour la direction, c'est vraiment pareil. Donc ça, c'est... Il y a une prise de conscience qui se fait, mais c'est très long, c'est pas du tout acquis, et c'est très long. Pour la composition, bien sûr, les femmes ont toujours composé, soit sous des noms d'hommes, on les a toujours critiquées pour le fait que c'était beaucoup moins construit que les hommes. Ça, je demande à voir, parce qu'il y a beaucoup aussi une musique... dans les couvents, les femmes avaient des nonnes, donc dans le couvent de la Pietà, les orphelines, avait une formation musicale très complète, ce qui fait qu'on a beaucoup de pièces anonymes qui sont composées par des nonnes, en fait. Et ça, c'est très intéressant parce que à la Pietà, il y a une nonne qui s'est permise de signer de son nom et elle a dû faire votre silence. Il y a une menace de fermer l'orphelinat et de ne plus donner cette éducation musicale. Et donc c'est un homme qui servait derrière, qui chantait, qui jouait, hein, qui servait, c'est d'ailleurs dans toutes les représentations, les instruments c'est les femmes, on voit toujours hein, dans les peintures. Là, à la Pietà, dans l'orphelinat, c'était les femmes qui jouaient gratuitement d'ailleurs, puisque ça allait de soi, elles étaient nourries, logées, donc que demander de plus. Et, si elles trouvaient un bon parti, ou si on leur trouvait un bon parti, évidemment, je ne suis pas sûre qu'elles continuaient. Donc, quelle violence, je trouve, d'apprendre un art comme ça, qui est vrai, qui est un art quotidien, d'heures et d'heures de travail, d'avoir une formation complète, et puis d'être finalement interdit ou... De jouer ou de chanter, de faire votre silence si on compose, voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup de recherches en ce moment qui se font avec des psychologues sur ces anonymes qui seraient donc des femmes. Pour beaucoup, hein, beaucoup d'œuvres magnifiques, qu'on joue, mais qui ne sont pas encore reconnues. Voilà.
Alors moi, en tout cas, je me suis attelée à interpréter Elisabeth Jacquet de la Guerre, qui était de son temps absolument reconnue, elle, claveciniste, elle a écrit beaucoup, elle a écrit un opéra absolument magnifique, c'est Fall et Procris, qui a été le premier opéra qui a été joué en France, opéra de femme, donc au XVIIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Et cette femme était violente, elle a eu une vie extraordinaire, très reconnue de son temps, et puis passée aux oubliettes, et puis maintenant elle émerge. Et le disque sortira en mars, donc les sonates de violon et basse continue d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, qui sont absolument magnifiques. Alors, les évolutions que j'ai constatées, il y en a quelques-unes, ne serait-ce que l'apparition de ce collectif dans notre secteur pour une meilleure parité, pour repérer les discriminations. C'est une forme d'espoir. Cela dit, à l'échelle de l'histoire du féminisme dans le théâtre public, il faut rester quand même super vigilant parce que le rapport de Reine Pratt, qui était sorti en 2006, donc chargé de mission au ministère de la Culture, chargé de mission à l'égalité, il est resté dans un tiroir, lettre morte, pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'elle ressorte un deuxième rapport qui a donné lieu à cette mobilisation de jeunes metteuses en scène. On peut espérer qu'il y a un début, cela dit. La résistance, elle est très forte parce que on a dans notre secteur quelque chose de très emprisonnant, c'est que on nous reproche toujours la soumission du geste artistique aux propos politiques. Alors ça, c'est la grande... C'est le rempart difficilement franchissable. Or, moi, ça me paraît tellement absurde et d'une certaine manière extrêmement violent, parce que qu'est-ce que le théâtre si ce n'est des propos sur ce qu'on a en commun et ce qui nous divise en tant qu'être humain. Et je veux dire, dans toutes les pièces de théâtre, dans tous les auteurs, on traite du couple, de la relation de parents-enfants, de la mort, dans tous ces sujets transversalement, être une femme, ce n'est pas la même chose depuis la nuit des temps. Or, quand on affiche la position féministe, il y a le soupçon que l'art soit pour dessus et que donc ce n'est pas de l'art. Voilà. Et ça, c'est quand même un obstacle redoutable, quand bien même on est d'accord sur les présupposés que faire théâtre, ce n'est pas être dans un parti politique et que c'est une certaine sublimation. Enfin, je veux dire, je suis née dans le corps d'une femme, je ne peux pas partager les mêmes choses sur un plateau qu'un homme le ferait, ou différemment. Donc voilà, ça c'est quand même une résistance sur laquelle je pense que le seul outil pour lutter contre ça, c'est la formation. La formation féministe des esprits. Honnêtement, je ne vois pas d'autre issue. Alors nous, on le fait à notre petite échelle de compagnie avec les jeunes. Donc aussi, c'est une certaine forme d'espoir, parce que c'est vrai que quand on partage ça, ça marche, et c'est un point même nodal, parce que par exemple, des jeunes filles qui sont en difficulté scolaire, on leur parle de leur place de femme dans le monde, tout d'un coup, comme par miracle, leurs difficultés scolaires parfois disparaissent, alors qu'on n'a même pas traité des matières. Donc oui, quand on donne les outils aux personnes, ils savent s'en emparer, les publics, même si on a du mal à les rencontrer parce qu'on n'a pas même accès aux programmations, aux financements, etc., même si on n'est pas trop à plaindre dans la compagnie des amorces, quand on les rencontre finalement, ils sont très contents qu'on traite de ces sujets et ils nous disent ça fait du bien, une parole vraie, une parole qui parle de nous. Donc il y a de l'espoir, mais encore faut-il avoir les moyens de cette rencontre. Voilà. Si on commence quand les femmes sont rentrées à l'école des Beaux-Arts, ça fait à peu près un siècle. Que les femmes, 100 ans, que les femmes ne sont plus rentrées à l'école de Beaux-Arts, ça les a coûté des longues luttes parce que les hommes ils étaient convaincus qu'il fallait réduire le niveau d'exigence pour pouvoir faire entrer les femmes. Et que de toute façon, c'était à cause de que les machines à tricoter s'étaient apparues mécaniques, les femmes ne tricotaient pas, donc il fallait bien qu'ils fassent quelque chose pour aller à l'école. Parce qu'il y avait des hommes, ils trouveront un mari. Bon, ça a changé. Si je reviens à l'époque,
Ça a changé à l'époque où, il y a 20 ans, j'ai invité Anas et Espero, que je vous invite à tous voir l'exposition au Centre Pompidou, des grands militants des droits de l'homme, des grands militantes antiracistes et féministes américains, qui est mort il y a plus longtemps, qui a une exposition à Beaubourg. Quand j'ai invité à ces dames-là, qui étaient déjà extrêmement connues dans les milieux anglo-saxons et qui étaient en plus un grand artiste, aucun professeur de l'école, même les historiens de l'art, savait de son existence. Elle est exposée en phare pratiquement dans une galerie à côté de l'école. Donc si on parle de ça, ou quand des amis à moi artistes ont leur demandé de ne pas mettre leur prénom, de mettre des signes uniquement avec son nom, pour que les gens ne sachent pas qu'ils sont des hommes ou des femmes. Et ça, c'est il n'y a pas 60 ans, hein. C'est il y a 15, 20 ans. Donc les choses ont changé. On n'a pas eu la chance d'avoir le Women Studies comme Amérique, dans lesquelles immédiatement une coalition très forte entre les femmes écrivaines, critiques, professeurs des écoles, parce que Lina Nauplin, en 71, elle allait dans les écoles pour parler de son livre. Pourquoi il n'a pas eu de grands artistes? Et toutes les universités américaines l'invitaient pour parler de ça. En les années 70 ici, malgré que c'était après 68, on était extrêmement. Et quand j'organisais par exemple un colloque sur folle sorcière et déviante, l'image de la femme dans le cinéma hollywoodien, que c'est absolument extraordinaire, terrible, qui ne trouvait aucune critique du cinéma. Quand j'organisais un séminaire traitant féminisme, il avait très peu, il avait François Collin, il avait Elisabeth de Beaubissy, il avait Marie-Josée Moncel, mais il avait très très peu de gens qui voulaient se mouiller et avoir une étiquette féministe dans l'histoire de l'art. D'abord parce qu'ils ne connaissaient rien au féminisme, ils savaient que c'était complètement étrangère. L'image parfaite du modèle, c'était les hommes. Donc c'était très difficile de trouver théoriciennes qui puissent formuler à un niveau accessible à l'école de Beaux-Arts, aux filles de l'école, des théories philosophiques féministes. Donc les choses ont changé, que le titre des expositions. Je regardais comme ça les catalogues des expositions des féministes il y a 20 ans, il y a 15 ans et maintenant. Au départ, les Anglaises, les Anglo-Saxons, c'était Mother Fury, Mother Tragedy, les femmes, l'exposition des femmes, tout à fait basé sur la victimisation ou sur la situation presque sexuelle des femmes. C'était toujours femmes. Après, et ça a beaucoup changé, l'intégration du multiculturalisme, toutes les recherches sur les différences sexuelles, ça fait que le féminisme en art a intégré, heureusement, tous les questionnements identitaires dans un large spectre. Et aujourd'hui, vous prenez une exposition qui vient d'avoir il y a 3 ans au Brooklyn Museum en Amérique, et entre blanco et européenne ou américaine, il y a très peu de femmes. La plus grande quantité sont des pays émergents de tous les pays du monde. Je crois que ça, c'est un changement, le multiculturalisme, c'est un changement réel, en tout cas dans l'art, et en tout cas pour le féminisme. Le féminisme était super cloisonné, même l'exposition de Linda Nauplin, c'était tous des européennes. Les problématiques des femmes autres que blancs étaient complètement ignorées dans l'art. Il n'y avait pratiquement de femmes. Et aujourd'hui, il y a une multiplicité de féminisme, il y a une multiplicité de cultures femmes qui est vraiment très riche et très importante. Et pour venir à ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, avant on disait, je suis féministe, mais maintenant on dit, je ne suis pas féministe, mais la question c'est comment être féministe aujourd'hui. Et disons féminisme, parce que tous les multiculturalismes, toutes les différences sexuelles, toutes les différences, je crois qu'elles ont beaucoup à nous apprendre aux femmes. Et ça montrait de la manière comment, surtout des affirmations réelles de notre possibilité créative. Parce que les femmes,
Ils sont apportés à l'époque que le féminisme a commencé, c'était l'expressionnisme abstrait américain dans toutes ses beautés. C'était les grands héros qui faisaient des tableaux immenses avec un trait de pinceau. C'était héroïque, c'était puissant. C'était ça qui dominait la scène internationale. Les femmes, ils se viennent à quoi ? Avec des petits papiers, avec des tissus, avec son vécu. Ah, le vécu dans l'art, mais qui les régit ? C'est vraiment comme au XVIIe siècle, mettre un poireau dans un tableau, c'était une hérésie. Parce que les tableaux, c'était pour la beauté, c'était pour les sujets nobles. Au XXe siècle, mettre un torchon, mettre un petit papier, mettre son souvenir, son expérience personnelle, son vécu. Parce que les femmes, ils ont apporté des contenus et des vécus. Toutes les innovations dans la vidéo, dans beaucoup de photos, les photomontages, l'intime, son histoire personnelle, n'ont devenu sujets nobles que quand ils ont été récupérés pour les milieux culturels, artistiques masculins. Jusqu'à avant, c'était des travaux des femmes. La broderie, quelle absurdité, les perles, même mon vieux, comment on peut faire de l'art comme ça? Et c'est devenu maintenant, vous allez partout, et vous voyez les plus grands artistes qui font broder des trucs en Inde, des bijoux avec des perles, etc. Donc, cette assurance, pas assurance, disons, je pense que beaucoup de choses ont changé, mais il manque encore, je crois, qu'on intègre d'une manière beaucoup plus... parce que je suis en train de penser que maintenant, une grande différence qui n'est pas simplement de l'ordre du féminisme, c'est de l'ordre économique. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est les marchés qui privilègent tout. Là, et à partir de ce moment-là, les critères de sélection, ils sont tellement changés que si un artiste féministe fait vendre, eh bien, ça, c'est un grand artiste. Ouais. C'est ça la question. Non, mais dans tout l'art.